Salut les geeks, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Moi, c'est la fournaise complète, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de faire des vidéos. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler distribution Linux. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne et du coup, c'est une bonne occasion pour vous proposer ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'une distribution qui s'appelle Ubuntu Budgie. C'est un abonné de la chaîne qui m'en a parlé et je lui ai promis que je ferai une vidéo sur cette distribution. Alors en réalité, c'est pas une distribution à proprement parler, mais c'est une variante d'Ubuntu. C'est-à-dire que elle possède tout, je dirais, tout le cœur d'Ubuntu, mais pour tout ce qui va être environnement graphique, environnement de bureau, elle va être un petit peu différente. Il va y avoir donc des variantes. L'idée pour les développeurs qui développent cette variante, c'est de pallier un peu aux carences d'Ubuntu au niveau de l'interface graphique qui est quand même un petit peu limitative et puis qui est aussi souvent identique aux autres distributions, puisque c'est vrai que c'est basé sur GNOME, donc un applicatif tiers, et c'est vrai que du coup vous allez retrouver souvent des similitudes avec d'autres types de distributions. Là, vous aurez vraiment quelque chose d'un petit peu plus personnalisable. Alors les points forts de cette distribution, c'est déjà dans un premier temps que c'est une distribution qui se veut en gros user friendly, donc c'est-à-dire qu'elle va être vraiment simple à utiliser. Donc ça sera parfait pour des gens qui débutent, qui passent par exemple de macOS à Linux ou qui passent de Windows à Linux, ça sera parfait ce type de distribution. Et ensuite, donc c'est une distribution qui est quand même maintenue sur les canaux de Ubuntu, donc vous aurez un système qui va être robuste et sécurisé et qui va être au maximum exempt de bugs, puisque vous aurez les mises à jour de sécurité et également les mises à jour, je dirais, de fonctionnalités, de bugs au niveau de votre système d'exploitation. Également, vous aurez la richesse des applications donc d'Ubuntu, puisque vous héritez en fait du système, donc ça c'est plutôt cool. Et également, c'est un système qui se veut quand même assez performant, donc il fonctionnera très bien sur des ordinateurs un petit peu plus anciens et des ordinateurs un petit peu plus récents. Autre point qui est très apprécié, c'est son côté customisable, puisque c'est ce qu'ils mettent en avant un petit peu sur le site officiel. Vous pourrez découvrir des environnements bureaux super stylés que des utilisateurs ont tout simplement implémenté, et du coup vous allez avoir des trucs qui vont ressembler à macOS, des trucs qui vont être totalement, je dirais, customisés, mais vraiment de manière originale. Et je suis sûr que certains d'entre vous trouveront certainement leur bonheur dans des styles comme ça. Le côté customisable, je trouve que c'est vraiment un point fort de cette distribution. Comme d'habitude, on va découvrir en images et en musique la distribution, du process d'installation jusqu'à la découverte de l'environnement de bureau sans commentaire. Comme ça, vous pourrez directement savourer cette distribution en images avec tous les menus et toutes les applications disponibles. Et bien sûr, si ça vous plaît, vous pourrez ensuite directement l'utiliser sur votre ordinateur, par exemple comme moi sur VMware, ou vous pouvez également utiliser VirtualBox, donc pour pouvoir la virtualiser. Et si ça vous convient, pourquoi pas l'installer directement sur un ordinateur physique. Avant de commencer, si vous découvrez cette chaîne un petit peu par hasard, que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre donc sur ma chaîne La Revue Geek, où vous verrez un petit peu toutes les vidéos que je propose. Donc je propose des vidéos de ce type là, distribution Linux. Je présente également des logiciels parfois qui sont vraiment très pratiques à utiliser. Je donne des tutoriels, je fais également des découvertes de produits, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, bref, c'est une chaîne pour les geeks. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me fera énormément plaisir. On est un peu plus de 2000 et la communauté grossit comme ça petit à petit, et il y a de plus en plus d'interactions dans les commentaires et avec les utilisateurs, donc ça c'est plutôt cool. Également, si vous voulez me suivre sur les réseaux, vous pouvez également me suivre sur Twitter, où je suis pas mal actif, sur Instagram et sur TikTok, et également donc sur le site internet larevuegeek.com. donc c'est le site que je développe et que j'anime en parallèle de la chaîne, où vous trouverez des contenus exclusifs. Allez, il est temps d'arrêter le suspense, on va partir sur la découverte d'Ubuntu Budgie. Allez, c'est parti. Thank you.
Thank you.